Le 12 août dernier, la Norma a accueilli un show un peu spécial, une démonstration de vélo freestyle. Saut impressionnant et figure remarquable était au rendez-vous. Ben en fait, c'est une manifestation avec Freestyle Air qui devait avoir lieu au mois de juillet, puisque lors de la semaine du Tour de France, on avait décidé de faire une semaine à thème vélo. Et malheureusement, ce jour-là, il faisait pas beau, donc on a décalé à aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis professionnel et j'ai créé Freestyle Air il y a 5 ans, qui a rencontré un gros succès parce qu'on a eu la chance de faire quelques coups médiatiques à la télé intéressants qui nous ont fait connaître. On a développé le concept et ça marche très très bien. Voilà. Actuellement, en 5 ans, on a fait plus de 500 shows dans 20 pays. Si vous voulez, il y a un gros travail en amont. Moi, ça fait 18 ans que je pratique et on ne va pas commencer par sauter à 5 mètres du sol. On commence à 10 cm et puis au fur et à mesure qu'on a automatisé les mouvements, qu'on prend confiance en soi, on va grimper. Voilà. Puis c'est pareil, les dirteurs, ils travaillent sur la mousse, sur la terre, avant de le faire sur le béton et sur les modules en aluminium. Voilà. Il faut répéter des centaines de fois les mouvements, bien les automatiser, pour après les faire dans ces conditions. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses blessures, on va dire. On a déjà eu des petites entorses et choses comme ça qui nous ont mis sur la touche quelques temps. Mais après, c'est vrai qu'on travaille aussi en musculation à côté. Et justement, on ne prend pas des risques inconsidérés pour essayer de ne pas se faire mal, justement, et de rester toute la saison au top.